Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui nous a fortifiés. Nelson Mandela disait, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour transformer le monde. Honorable jury, chers membres de la Golden Team, cher public, bonsoir. Je suis Charles Assende et je suis accompagné de Jacques Mikeston. Le sujet qui nous est proposé se formule ainsi. La transformation est-elle l'unique preuve de la formation? Je vous demande de recevoir notre confrère Jacques Mikeston, qui va essayer de vous démontrer que la transformation est l'unique preuve de la formation. La transformation est-elle l'unique preuve de la formation? Pour commencer, je vais rendre plus clair le sujet tout en définissant quelques mots importants qui s'y trouvent, comme transformation, l'expression unique preuve et formation. Dans le mot transformation, on voit le verbe transformer qui se définit d'après Larousse comme étant l'action de modifier l'état physique, moral et psychologique de quelqu'un. Ensuite, l'expression unique preuve peut se définir comme la seule chose qui prouve sérieusement un fait. Et la formation se définit, d'après le Robert, comme étant l'action de façonner l'esprit, le caractère de quelqu'un et a pour synonyme transformer, éduquer, instruire. Suite à toutes ces définitions, nous pouvons reformuler le sujet ainsi. La transformation est-elle la seule chose qui prouve sérieusement la formation? À cette interrogation, nous allons répondre par l'affirmation en appuyant sur deux points. Dans un premier temps, nous allons montrer que le but de la formation, c'est de transformer. Et dans un second temps, nous allons montrer que la formation se manifeste de faire voir que par la transformation. Ok. Le but de la formation, c'est de transformer. Alfred Alix a souvent dit que à quoi ça sert de former si former ne peut pas aider à transformer. Cette citation nous montre que la formation est faite pour transformer. Pourquoi? Parce que la formation vise toujours soit une modification, une amélioration, un changement, une innovation, un développement et tant d'autres. Donc, la formation vise toujours une transformation parce que tous ces mots-là, ce sont les synonymes de la formation. C'est pour cela que la Golden Team Haïti, avant de commencer un concours, assure toujours qu'il y a des séances de formation afin de transformer les candidats à être éloquents, afin de transformer les candidats à être éloquents et d'être capables de gérer un débat. Et en plus, on ne peut pas parler de formation sans la transformation. Parce que ce qui peut prouver une formation est réussite, c'est la transformation. Par exemple, cette année, avant de commencer ce tournoi, la Golden Team Haïti avait organisé un mois de formation sur 6 masterclass en ce qui concerne la prise de parole en public, la gestion de la timidité, tant d'autres. Pour 16 candidats, y compris moi. Maintenant, qu'est-ce qui va montrer à la Golden Team que cette formation est réussie? Je crois que c'est ici sur la scène. Par exemple, si je viens ici, je viens et je commence à parler, les pieds fermés, la tête baissée, et en disant, cher public, est-ce que ça prouve que je suis formé? Et maintenant, si je viens
avec beaucoup d'éloquence, j'écarte un peu les pieds. Je dis, cher public, honorable membre du jury, est-ce que ça ne prouve pas que je suis formé? Donc, c'est par rapport à la transformation. Donc, puisque le but de la formation est ce qui peut prouver qu'une formation est réussie, c'est la transformation. Donc, on peut dire que l'unique chose qui prouve sérieusement une formation, c'est la transformation. Deuxième point. La transformation se manifeste, se fait voir que par la transformation. Aristophane a dit que former les hommes, ce n'est pas remplir un vase, mais c'est allumer un feu. Par cette citation nous montre que la formation, ce n'est pas quelque chose qui rentre et qui reste tout simplement dans le cerveau. Non, elle se manifeste. C'est ça, allumer un feu. Et le feu ici symbolise la transformation. La transformation, ce n'est pas seulement en action. Pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs types de transformation. D'après un article publié dans Overblog, le 31 mars 2014 à 4h46, on voit qu'il existe trois types de formations. Comme la transformation émotionnelle, la transformation socio-biologique et la transformation cognitive qui se traduit par l'émergence de l'intelligence, la sortie du savoir, la sortie de la connaissance. Prenons par exemple un homme qui a reçu une formation et qui a la capacité de transmettre cette formation avec efficacité. La capacité de transmettre cette formation ici, est-elle une autre signe ou une autre manifestation ou une autre preuve de la formation? Je crois que c'est non. Pourquoi? Parce que le fait de faire ressortir le savoir, faire ressortir la connaissance, faire ressortir l'intelligence, c'est ça qu'on est en train de faire lorsqu'on est en train de transmettre une formation, faire référence avec la transformation cognitive. Donc, la transmission, ce n'est pas un autre signe, c'est une transformation de type cognitive parce qu'elle permet d'émerger l'intelligence. Il permet d'émerger le savoir, il permet d'émerger la connaissance. Donc, puisque la transmission, c'est une transformation, alors qu'est-ce qui nous empêche de voir que la vérité, c'est que la transformation est l'unique preuve de la formation? Donc, le but de la formation et la manifestation de la formation, c'est la transformation. Alors, ce qui peut prouver sérieusement une formation est réussite, c'est la transformation. En conclusion, j'aimerais dire à la génération 2000 de veiller bien sur votre formation car il déterminera votre transformation. L'homme ne peut devenir homme que par l'éducation, dit Emmanuel Kant. Merci.